d'une certaine, à ma façon. Hein? Ce n'est pas trop intéressant. Alors, pour que tu aies ça, je vais te poser une question. Mais c'est ça, l'art de saisir les opportunités. Je vais te... Alors, par quel moyen j'ai connu M. Mastaki? Merci beaucoup. La question était très simple. Oui, c'est un live Facebook. Donc j'ai regardé. Ça veut dire qu'il faut donner à tout le monde parce que le monde a répondu. C'est lui qui a répondu le premier. Alors, c'est ça. L'art de saisir l'opportunité. Donc c'est ça. J'étais là et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, je suis en train de finir dans une minute, j'ai quelque chose d'autre à offrir. La dernière chose à offrir. Alors, vous allez voir sur cette carte, elle est où ma carte? J'en ai une autre ici, celle-ci là. Vous voyez ici en haut, on a parlé de membre, carte de membre. En fait, c'est une carte, quand tu l'achètes chez moi, ça te donne la possibilité d'avoir des bonus. Si tu me réfères un ami, tu peux avoir jusqu'à 300$ cash qui revient dans ton compte. Tu aimerais ça? Oui. Oui. Alors, la question sera très compliquée. Parce que là, je vais te l'offrir gratuitement au lieu que tu l'achètes. Alors, qu'est-ce que je vais poser comme question? J'ai dit que j'avais 8 diplômes, n'est-ce pas? Et puis, dans, il y a un que je n'ai pas encore fini, que je vais avoir bientôt. Planification financière personnelle. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Vous faites beaucoup de bien. Vous faites beaucoup de bien. C'est vrai, hein? Ah, voilà. Oh là 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 là. Bon, je ne sais pas si vous avez aimé ma petite présentation. Alors, je vous donne ma liste pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur les plans d'affaires. Écrivez votre nom. Je pense que ceux qui ont déjà écrit, mais vraiment, je fais ce que j'ai fait la dernière fois. J'avais offert une consultation gratuite à tout le monde pour me poser une question. Vous avez droit à une heure avec moi, bien sûr par Google Meet. Moi, j'aime bien le Google. Par Google Meet, vous prenez rendez-vous. Alors, condition, vous allez juste écrire vos informations. Donc, votre adresse courriel, s'il vous plaît, écrivez-les lisiblement parce que la dernière fois, j'ai eu beaucoup de défis avec ça. Et puis après, je vais vous contacter. Vous allez avoir une consultation gratuite d'une heure avec moi. Vous pouvez puisser me dire c'est quoi votre projet. Est-ce que vous en avez ou vous n'en avez pas? Avez des projets, on peut travailler parce que c'est ce que j'ai fait aussi. J'aide les gens. Si vous n'avez zéro projet, vous avez juste peut-être un brin d'idée là, je peux, on peut travailler ça ensemble que c'est, ça devient une entreprise. Donc c'est ce qu'on fait avec Bâtir mon empire. Mais et bien évidemment, il faut devenir ACN. Je vous dis que c'est très bien parce qu'avec zéro argent, zéro gros argent, on devient ACN et on trouve beaucoup de bonheur. Alors écrivez juste vos coordonnées et je vous remercie. Oui, madame. Question, ça coûte combien faire le plan d'affaires avec vous? On n'est pas rendu à la séance des questions. Oh. On va juste libérer madame Christine parce qu'on doit respecter le temps pour l'hôtel ici. Excusez-moi. Parce qu'il y a eu, beaucoup de présentations depuis. Mais merci beaucoup Christine, si on peut l'applaudir. S'il vous plaît. Alors, si vous avez des questions au niveau du plan d'affaires, parce que c'est très technique. Mais elle a dit, elle va passer la liste. Mettez votre nom, votre courriel, et puis elle vous offre une consultation gratuite, de toute façon. Donc ça nous simplifie, nous, la tâche, parce qu'à ce moment-là, vous avez une consultation gratuite, et puis elle va vous répondre à toutes les questions. Mais est-ce que, par rapport à tout ce qu'on a présenté au début, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se laisse? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions en général, je veux dire, si c'est spécifique au plan d'affaires? Christine va vous donner une consultation gratuite pour ça. Mais si c'est au sujet des impôts, au sujet du projet d'affaires de ACN ou autre chose, on a encore une quinzaine de minutes ici pour répondre à vos questions. S'il y en a. Oui, madame. Pour l'ACN, si on peut faire parler. S'il vous plaît. Si on peut faire parler de l'ACN, je voulais savoir le possible.
Ok, donc regardez, vous êtes invité par qui ici? J'ai vu le festival, c'est tout. Ok, je pense qu'il va vous parler de ça. Il va vous aider exactement comment faire, ok? Okay. Donc il est la meilleure personne pour vous enseigner là-dessus. Ok, donc là, pour les gens qui n'ont pas été, pour les autres là, parce qu'on aura d'autres séances, une plus grande salle que celle-ci. Et Madame Anita va passer vous donner la carte si vous n'en avez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Questions? À part ça, oui, Monsieur Carrier. As-tu une date pour une prochaine rencontre? Pas encore, parce qu'on doit s'arranger avec l'hôtel pour avoir la disponibilité. C'est un hôtel qui est très quand même achalandé, mais on n'a pas encore la date précise, mais ça va être annoncé aux personnes qui étaient ici, qui ont pris des cartes. On va vous contacter pour vous dire la date. Oui. Au niveau des entreprises, des gens. Peut-être la question qui est posée peut être importante pour les autres. Oui. Pour ça, je demanderais s'il vous plaît de garder le calme pour le respect de quelqu'un qui pose la question. S'il vous plaît. Merci. Pour les entreprises, une personne peut avoir deux entreprises et présenter deux projets. Oui, donc ça veut dire que c'est toujours par rapport au numéro d'entreprise du Québec. C'est si vous avez par exemple sous votre NEC, vous avez, parce que le NEC là,